Donc, nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1 Nous allons parler de, 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 de nouveau de l'appel et du mandat. Ou encore le mandat lié à l'appel. Ma sœur, vous avez une question une question Non, ça va Ok. Le mandat lié à l'appel. Voilà. Appel, mandat, mandat, appel. Et euh, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8 que nous avons lu hier. On le reprend, ce passage. Romains chapitre 8 et nous lisons à partir du verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment et le rime, de ceux qui sont appelés selon son dessein parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Alors nous avons ici la première des choses, c'est quoi C'est connu. D'avance. Le thème, bien sûr, c'est le mandat lié à l'appel. Et premièrement, on voit ici des, 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 ce, ce mot-là, connu d'avance. Donc, les gens que le Seigneur a appelés, il les a connus d'avance. Et il le dit dans Yirmeya 1, Jérémie 1. Il lui dit, avant que tu ne sois formé à le sein de ta mère, dans le vent de ta mère, je te connaissais. Voilà pourquoi Paul, Paulos va recevoir la révélation du Seigneur comme quoi selon laquelle le Seigneur connaît certaines personnes d'avance. Il y a des personnes que le Seigneur n'a pas connues d'avance, même si étant Élorim savait qu'il allait avoir la postérité de, 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 du, du serpent, de la vipère, le livrer des personnes comme Yehuda, Judas, le traître, mais. Il y a des personnes qui l'a connu d'avance comme étant ses enfants ses appelés Et ça, c'est une assurance pour vous et moi, pour les véritables enfants d'Elohim. Le fait de savoir que nous sommes connus, nous avons été connus avant même que nous ne venions sur terre. Avant même que nous ne soyons conçus donc ça veut dire que nos parents biologiques nous ont été prêtés, ou on a été prêté à nos enfants, à nos parents biologiques. Waouh Donc notre vrai géniteur, notre vrai père, c'est Elohim, Adonai, Elouéno. Quelle assurance Vous vous rendez compte Waouh Voilà pourquoi Yéoshua, homme, quand Myriam et Yosef, merci, et, euh, ça se voit plus, hein, le noir c'est ok. Yosef et Myriam vont dire, euh, quand ils vont, pendant trois, ou, trois jours, pardon, chercher Yoshua. trois jours après ils vont le trouver dans le temple, ils vous le dire, mais euh, Myriam lui dira, mais, mon fils, mon enfant, nous sommes dans la peine depuis trois jours. Et le Seigneur a dit quoi Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père Donc, il est notre Père avant que nous ne soyons dans ce monde. Et il nous a pris et il nous a déposé dans les ventres de femmes qui sont qui étaient nos qui sont nos mères biologiques déposées tel de la semence. Waouh En fait, il s'est servi de notre papa biologique, de notre maman hein, euh, biologique, et il, il a pris la semence du papa, il a mis dans le ventre, comme on le sait, vous le savez, dans le ventre de la maman, et il a pris l'esprit qu'il a connu d'avance. Parce que quand il parle d'être connu d'avance, il parle des esprits que nous sommes. Parce que nous sommes des esprits avant tout. On dit lorim des esprits des prophètes. Vous comprenez Voilà. Ceux qui sont nés d'esprit sont esprits. Celui qui est né, celui qui a été engendré d'esprit est esprit. Ne l'oubliez jamais. Que nous sommes des esprits avant tout. Il nous a connus d'avance en tant qu'esprit. C'est pour ça que la parole dit que à la mort, l'esprit retourne à Elohim qu'il a donné. Vous comprenez Donc ces esprits que nous étions, que nous sommes, plutôt, avaient besoin d'un corps. Vous comprenez Et le corps étant conçu, Elohim le prend l'esprit que tu es et il le met dans ce corps, ton corps à toi. Et il lui dit, tu vas rester, tu vas naître et vivre pendant 70 ans. 80 ans et après tu vas revenir à moi pour me rendre compte. Donc tu es venu sur terre pour un but bien précis. Tu ne dois pas l'oublier. Pas de distraction. Parce que les enfants du diable chercheront à te distraire pour que tu rates ta mission. Le mandat lié à l'appel. Tu es, de, tu es venu dans, un, dans, un, dans une famille raciste. Fais attention pour ne pas que toi, pour ne pas que tu rates ta mission. Tu es né dans une famille athée. Fais attention pour ne pas que tu rates ta mission. Tu es né dans une famille compliquée. Tout ça, orgueilleuse, tout ça. Fais attention parce que tu es l'esprit, un esprit que Lorim connaît, a connu d'avance. Vous comprenez un peu ce jeu Voilà. Allons lire. Yermeya. pardon. Jérémie, chapitre 1 C'est un passage que vous connaissez, mais pour nous rappeler ces choses-là, il faut lire les écritures. C'est pour cela que Satan ne peut pas te détruire tant que tu seras avec le Seigneur, parce que il te, le Seigneur te connaît d'avance. T'as connu d'avance. Les paroles de Yermeya, fils de Shilkia, d'entre les prêtres qui étaient à Anotot, dans le pays de Benjamin, Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Yoshia, fils d'Amon, roi de Yehuda, la treizième année de son règne. Elle vint aussi à lui au jour de Yehuakim, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'à la fin de la onzième année de Tidikia, fils de Yoshia, roi de Yehuda, jusqu'au temps où Jérusalem fut transporté. Ceux qui arriva au cinquième mois. La parole de Yahweh vint à moi en disant Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc nous apprenons que c'est lui qui nous a formé dans le ventre. Donc il est plus qu'un biologiste. <laughs> Waouh! Et avant que tu ne que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je, il dit quoi? Je te connaissais. À quel moment? Avant que je ne t'ai formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. Wow! Donc là, il ne parle pas de Iramia en tant que physique. Il parle, quand il dit je te connaissais, il parle à son esprit. Donc sur son trône. Et Lorim disait, je connais l'esprit de Shorah avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Bon, toi, esprit de Shorah, va dans ce ventre-là. Et maintenant, il forme le corps physique de Shorah dans le ventre de ma maman. Une fois, fois qu'il a formé ce corps-là, le fœtus, tout ça là, hein, l'embryon, il a pris l'esprit de Shora, il l'a mis dedans. Il dit, Maintenant, tu vas sur terre. Donc avant que tu ne viennes sur terre, tu as déjà un passé. Près natal. Il faut que tu comprennes ça. Donc tu es comme une flèche entre les mains de l'orim. Tu comprends maintenant là Voilà. Donc... Avant que tu nous sois le de ta mère, le Seigneur te connaissait en tant qu'esprit et il avait déjà donné à cet esprit un nom. Et il avait déjà enregistré dans ton esprit le temps que tu allais faire sur terre. Tout. Et on nous dit, ce qu'il a connu d'avance, premièrement, connu d'avance, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans Romains Alléluia, c'est magnifique ça. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oh yo 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 yo. Premièrement, connus d'avance. Deuxièmement, prédestinés. Dedans, vous avez la destinée, destination. En même temps, destinée, destination. Donc tu as une destination là. Tu es destiné à quelque chose. Tu es de destiné à atteindre. Les objectifs que le Seigneur a t'a as assignés. tu comprends Il t'a prédestiné, c'est-à-dire il t'a, il a tout préparé d'avance. Et il et, y a des gens, tu sais, comment te dire un peu là Et euh, il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné à quelque chose de précis. Là, tu n'es pas encore formé à loin de ta mère. Hein? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire, il y a tout un programme qui a été mis en place autour de toi, pour toi, te concernant. Un projet, un plan arrêté d'avance, alors que tu n'étais pas encore né. Mais vous vous rendez compte à quel point le Créateur est amour et qui sommes-nous pour que le Créateur passe du temps avant notre conception, pour notre parcours terrestre, alors qu'on n'était pas encore conçu. Prédestinés. On n'a pas tous la même destinée sur Terre. Non. Tu dois savoir avec qui traîner. Parce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à quelque chose de précis, au service d'Adonai. Je vous dis. Hein? Et les prédestinés, là. Les connus d'avance et les prédestinés. Si vous les attaquez, vous cherchez des problèmes. Je vous dis. Vous allez perdre des choses, des dents. Vous commencez à murmurer contre les connus d'avance et les prédestinés, mais vous allez avoir des problèmes. Je vous dis. <laughs> et troisièmement, nous parlons bien sûr du mandat lié à l'appel, mais on ne peut pas parler de ces choses-là. sans énumérer les autres là, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui se sont accomplis avant, être connus d'avance. Je ne parle pas d'être de, 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 connu par un, un roi de ce monde, connu du Créateur. Vous savez, un virus, il est prédestiné à détruire. Bah hein ouais. Et toi, tu es prédestiné à quoi? Ah, oui. Il y en a à implanter des assemblées, d'autres à, à, à traduire la Bible, réviser la Bible, d'autres à évangéliser les nations, d'autres, n'est-ce pas, à guérir les malades, à chasser les démons. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix, c'est plus fort que toi. Et c'est naturel quand tu fais des choses, tu ne forces pas. En fait, la prédestination fait de toi un spécialiste. Vous voulez que je parle? Amen. Quand ta bitée était morte, les frères et sœurs priaient, mais il fallait un spécialiste de la résurrection. Prédestiné pour ressusciter les morts. C'est ça le corps de Christ. Le corps de Christ est rempli de spécialistes. Regarde le corps physique. Chaque membre est spécialiste, hein. chacun dans son domaine, non hein. Pour voir, on appelle les spécialistes les yeux. Pour parler, on dit, il y, y a un spécialiste, la bouche. Pour broyer la nourriture, on dit, ah! et les dents. Pour redistribuer les vitamines, tout ça dit l'estomac. Pour donner du sang dans tout le corps, le cœur. C'est une pompe. Pour réfléchir le cerveau. Chacun une tâche. Donc, dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Dans notre royaume, il n'y a pas de chômage. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es prédestiné à quelque chose de précis. Donc, tu ne dois pas courir après les autres. Ah, 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 tu ne dois pas envier les autres. Ce n'est pas l'orgueil. Il faut être sûr de ce que tu es dans le royaume. Et être, être, être. Alléluia. Oh, Et bénir celui qui t'a mandaté, mon ami, là. Alléluia. Nous ne sommes pas des, des gens qui s'agitent. Tu n'as pas compris que là, depuis ta conversion, tu n'as pas le choix. Même depuis ta naissance, différent et différent des autres. On veut t'amener sur un terrain bizarre. Non, non, je ne sens pas ça. Je te Tu n'as pas compris pourquoi tu as épousé la femme que tu as actuellement là. Ou l'homme que tu as actuellement pour servir le Seigneur, c'est comme ça être prédestiné. Tu as une mission. Tu n'es pas comme les autres. Beaucoup sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans leur, dans leur, de, dans, 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 dans leur destinée. Ils n'ont pas compris leur, dest, leur, leur destinée, leur dest, destin. Ils n'ont pas compris ça. Leur mission. Ils tâtonnent encore. Et le Seigneur les brise pour qu'ils saisissent. Et troisièmement, Paul dit ceux qu'il a prédestinés. Attends, attends. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de qui Vous Voyez la prédestination, prédestinés à ressembler à Yeshua. Yeshua, tu vois non Ça veut dire quoi Tout au long de ta vie terrestre, le Seigneur va te tailler pour que tu sois semblable à Yeshua. C'est lui le modèle. Créons l'homme à notre image. Et les gens qui t'approchent et qui veulent t'éloigner de ce modèle, Yeshua, le Seigneur va t'en séparer. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais c'est comme ça. Il bosse, il travaille le Père. Le Seigneur dit quoi Mon Père agit. Bon, aussi, j'ai agi jusqu'à présent. J'ai Voilà. C'est-à-dire si tu commences à sortir de ta prédestination, de ton modèle. Imagine, je prends un exemple. Tu rentres dans une assemblée babylonisée, bien comme il faut. Et le Seigneur va te permettre ça pour que tu annonces la parole. Mais si tu commences à te lier d'amitié, tout ça, à devenir dans les sentiments, tu vas avoir un coup de pied derrière du maître. Il va te sortir. Tu t'associes tu tu as avec des faux frères, des faux chrétiens. Le Seigneur va te permettre pendant que tu, que tu les évangélises. Mais une fois que ta mission est finie, si tu veux continuer avec, il te sort à chaque fois. Parce que le modèle, c'est ça. Parce que tu as reçu l'appel, on va le voir. Et soit la finalité. Troisièmement. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà l'appel, troisièmement. Alors l'appel ici, dans le grec ou en hébreu, signifie littéralement nommé par son nom. Donc les appelés sont nommés par le Seigneur, appelés directement par le Seigneur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Donc l'appel est hein, l'appel, donc le mandat lié à l'appel. Avant de recevoir l'appel en question, le Seigneur nous a d'abord connus. Comme je vous le dis. Satan n'était même pas encore là. Voilà pourquoi il ne peut pas te détruire. Les sorciers n'étaient pas encore là. Ils peuvent faire leur réunion contre toi, autour de toi. Ils peuvent même invoquer ton nom, appeler ton nom sur leur miroir magique, mais ils ne te verront jamais. Je vous dis? <laughs> non. Même si les grands maîtres maçons se mettent ensemble font les incantations, tout ça, Le Seigneur enverra seulement un seul ange. D'ailleurs, même sur ton front, toi, tu ne vois même pas. Il y a la marque TAV. Pas touché pas touche. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Que je vous dis. Parce qu'il les, les a connus d'avance. Il les a mandatés. Ils ont, ils ont une mission. Faut voir comment les sorciers souffrent quand ils viennent nous attaquer? Faut leur demander. Toi, tu ronfles, mais tu sais pas à quel point le, le Seigneur les fouette bien comme il faut, là. Ils intègrent leur corps avec des douleurs comme pas possible. On va voir le mandat lié à l'appel. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder ça, 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 ça sur les sorciers, les démons. Oh non, mais écoutez, démons, tout ça, on vous envoie le feu. arrêter avec le feu, là, tout ça. Il faut arrêter tout ça, là, mes amis. Toi-même, déjà, tu es comme une boule de feu. Tu n'as pas compris ça? Bah ben oui. Ensuite, prédestiné à ah, ressembler à Yeshua. Ah, là, c'est magnifique. Le modèle, l'image.

Pierre en train de pêcher. Pff, dorade. Pétros, Suis-moi. Mathieu, en train de travailler dans son bureau, hein, faire ses calculs tout ça, c'est le Le récolter l'argent, compter l'argent. L'appel. Suis-moi. Il est à son bureau. Secrétaire et tout, je sais pas, tout le monde. est Ils ont abandonné leur filet. Quand on reçoit l'appel, on laisse son filet derrière. Quand on reçoit l'appel, on suit le maître. Je vous dis, je me rappelle quand il m'a appelé. Les appelés là, parce qu'ils sont connus d'avance, prédestinés, ensuite appelés. Avant même qu'ils se convertissent, les gens les gens leur disent, toi, t'es bizarre. Mais comment ça t'es bizarre Même tes amis ils disent, mais hey, go, eh hey, oh gars, t'es bizarre mon ami là. Mais t'es bizarre, t'es pas comme nous. Hein. Mais toi t'es pas, mais comment, qu'est-ce qui se passe mais pourtant tu es encore un converti. Hein? Mais tes amis sentent que tu es différent. Pourquoi L'appel. Souvent même Satan veut tuer ces gens-là avant même qu'ils ne se convertissent. Momoché, avant ça, quand il est. Bébé, encore, on a voulu le tuer. bah ben oui, l'appel. Bah ben oui. L'appel. Parce que depuis ta naissance, les appeler depuis leur naissance là, avant même la conversion, le Seigneur veille sur eux, sur leur formation. C'est les choses qu'on a vécues dans le monde là, font partie de notre formation. Je vous dis, vous vous rendez compte Et ensuite, le jour où la, le Seigneur va maintenant, le, le jour où a, il a arrêté dans son plan parfait en tant, en tant que souverain pour nous appeler littéralement, quand ce jour arrive, eh c'est la conversion. C'est ça le premier appel, comme on l'a vu hier. L'appel au là l'appel au salut. Et là, tu entends un message qui te bouleverse. Moi, j'ai reçu cet appel à l'âge de 8 ans. Déjà à 5 ans, je priais pour mes parents, le Seigneur les guérissait. Quand ma maman était malade, on disait, tout le monde disait à la famille, cet enfant est bizarre, il est bizarre, il est différent, papa étant riche. Quatre femmes, maman est la première, 19 enfants au moins. J'ai différent de tous. Quand papa me frappait, je disais Païen, tu n'auras pas ton salaire. Il allait prendre son salaire, on lui disait Monsieur, vous venez de prendre votre, votre, votre salaire déjà. Je lui disais Tu auras tes mains, vont gonfler. Tac, les mains étaient comme ça. Là. Alors, mes parents disaient Cet enfant il est vraiment bizarre. Là. Tout petit, hein, un jour, une de mes grandes sœurs en priait. Elle, elle, elle disait, papa, il faut qu'on vende la maison, la villa, il faut qu'on vende la, la, la maison, faut qu'on déménage parce que euh, les voisins sont des sorciers, tout ça là. Je lui dis, on ne va pas quitter ce... Petit, hein? On ne va pas quitter cette maison. Je lui dis, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'elle voit les anges qui nous protègent ici. Et je vois ma sœur qui commence à rire. <rire> je lui dis, t'as vu les anges, non Elle dit, oui, ils sont géants. Je lui dis, voilà. On ne bouge pas. Ah, ah non, l'appel. Alléluia. À 8 ans, on regardait le film on a projeté dans un écran géant là le film de Yehoshua. Et quand on a commencé à le crucifier, j'ai commencé à pleurer, je commence à pleurer. Euh, euh, euh. Et qu'est-ce qui se passe toi Non 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 non, il a souffert, il faut que je le serre, il faut que je le petit. Ah non 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 non. L'appel. Et quand tu reçois cet appel là, réellement, c'est la conversion, ta vie est bouleversée. Il y a un changement radical, les gens ne te comprennent plus. Bah ben oui, parce que tu retournes vers celui qui t'a connu d'avance. Et là, maintenant, ton existence terrestre va prendre une autre, n'est-ce pas, tournure. Complètement. Voilà. Rappelez-vous bien que nos noms sont écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Donc, voyez bien que <laughs> il nous a connus d'avance. Bah ben oui. L'appel. Maintenant, tu reçois l'appel, comme on l'a vu hier. L'appel d'abord au salut, au là. Donc, le Seigneur te sauve, te délivre du péché, de la mort, des liens familiaux, des liens ancestraux. Tu n'as plus besoin d'aller chercher un prophète ou un apôtre pour qu'il coupe les liens ancestraux, tout ça, les liens familiaux. Non C'est coupé à la conversion. Comme quand un enfant vient au monde, on coupe le cordon ombilical. Voilà. Et là, tu deviens disciple de Yahushua. Pourquoi? Parce que tu as été prédestiné, tu es prédestiné à être conforme à Yahushua, À ressembler à Yahushua. Donc tu n'as pas besoin de jamais me ressembler moi. Ne te coiffe pas comme je me coiffe. Moi, j'ai plus de cheveux. Garde tes cheveux. Faut que je parle clairement pour que les gens comprennent. Alléluia! Seigneur, sauve-nous. Garde ton sourire. Ne souris pas comme moi. Voilà. Ou comme quelqu'un d'autre. Deuxièmement, c'est l'appel L'appel spécifique. C'est-à-dire, ça peut être comme la parole le dit elle faisait un quatre, et là, ils sont appelés. Le Seigneur les a établis il a établi les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres docteurs, évangélistes, tout ça, bergers, pour l'équipement des saints. Vous voyez Pour équiper les autres, les saints, avec la parole et non pour les dépouiller, coucher avec, manipuler, les garder avec soi. Non. Non. Un pasteur selon le Seigneur est celui qui apporte la parole et qui dit aux gens, qui laisse les gens après aller vers le Seigneur. Il le garde par vie. Alors, L'appel spécifique, comme je, je le dis, il y en a c apo, ils sont apôtres, prophètes, docteurs, tous ces évangélistes. D'autres, selon Romains 12, regardez, re, regardez Romains chapitre 12. Il y a beaucoup de, de choses ici dont Paul parle, justement, et euh, qui souvent, euh, qu'on qu ne qu euh, médite pas souvent, malheureusement. Et, euh, Romains 12, à partir du verset 3. Il dit, car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même selon la mesure de foi qu'Elorim a départi à chacun. Donc là, il parle de la foi qui est départie. Chacun a reçu un morceau, une part. Chacun. Donc il n'y a pas un seul membre du corps qui n'a rien reçu. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps en machia. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Aha! Nous sommes tous frères et sœurs, oui. Mais nous ne sommes pas tous, nous sommes tous pareils, nous sommes tous frères et sœurs, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il faut jamais l'oublier. Je vois des frères et sœurs mourir avant le temps, tomber dans le péché, tomber dans toutes les choses, parce qu'ils veulent faire les choses comme les autres. Et ça, c'est un piège. David, quand Shaoul lui a proposé son armure, il a essayé, il a vu que ça ne lui convenait pas, il a refusé. La le dit ici, nous avons des dons différents. Et il dit au verset et euh, voilà, il dit au verset euh, euh, 5, car, 4, 4, pardon, verset 4, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, donc il parle déjà des fonctions, donc on n'a pas les mêmes fonctions. Parlons d'abord des fonctions. Par rapport à l'appel spécifique, l'appel spécifique, donc le deuxième appel, le premier appel c'est l'appel au salut, le deuxième c'est l'appel. Au, au, l'appel spécifique, hein, donc au, au, au service, autre que l'adoration, la louange, l'évangélisation, tout ça là, mais c'est vraiment l'appel spécifique. Et euh, on parle de l'apostolat, le, le prophétisme, tout ça, le pastorat et, euh, et, euh, et, et d'autres dons dont on va parler tout à l'heure. Là. Et là, il est question, l'appel spécifique est lié à des fonctions que le Seigneur a données aux uns aux autres. D'accord Et on n'a pas tous les mêmes fonctions. L'erreur que beaucoup commettent, et c'est ce que beaucoup ont commis chez nous aussi, c'est que parce qu'on se dit frères et sœurs, parce qu'on dit qu'on est tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux, alors des gens ils, se, ils croient qu'ils bah, peuvent aussi faire les mêmes choses que les autres. Voilà le piège. On n'a pas tous les mêmes fonctions. Et on n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes dons. Ainsi, nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps en machia et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Ah. Donc, Paulos dit que ces fonctions-là, ces dons sont des fonctions et des dons de grâce. Voyez? Donc, des choses qu'on n'a pas méritées. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas être apôtre parce que tu as jeûné. Tu ne vas pas avoir l'onction apostolique parce que tu as fait trois jours de jeûne. Non, ce sont des dons de grâce. Tu ne vas pas avoir l'autorité pour chasser les démons avec une onction particulière parce que tu as fait sept jours de jeûne. Tu n'auras jamais cette onction-là. Parce que ben c'est une grâce qui est liée à ton appel, liée à ton mandat. Ne l'oubliez jamais. Tu peux prier pendant cinq heures d'affilée tous les jours. Ce n'est pas pour autant que tu auras l'autorité prophétique, évangélique. Ce n'est pas pour autant que tu auras, n'est-ce pas, une grâce pour pouvoir t'occuper des orphelins, des veuves, avec les moyens qui découlent de cet appel. Parce que le mandat, n'est-ce pas, le mandat, c'est aussi l'autorité, c'est l'ordre du Seigneur, c'est l'ordonnance du Seigneur. Et quand il y a ordonnance, il y a automatiquement les moyens qui vont avec, moyens matériels, moyens financiers, humains, tout ça là. Et tu ne peux pas voir tous ces moyens là parce que tu as jeûné, tu as prié. Non, c'est la grâce, c'est le mandat, c'est l'autorité, c'est l'appel. C'est lié à l'appel. Il dit bien nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Donc, nous avons reçu la grâce. Donner, don, don, don. Quand on reçoit un don qu'on n'a pas payé, c'est un don. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Donc, à part l'appel apostolique, prophétique, il parle aussi d'autres appels, d'autres dons. Il parle de la prophétie. Bah ben oui. La prophétie. Il y en a non, dans le corps, comme vous le savez, ont l'appel de la prophétie. Ils peuvent prophétiser facilement. Ils ont cette grâce-là. Et il donne un conseil, Paul, en disant il faut prophétiser en proportion de la foi. La foi, ici, c'est à la fois la parole. Donc la prophétie doit être en accord avec la parole écrite. Elle ne doit pas aller au-delà de la parole écrite. La foi, c'est aussi la confiance en celui qui t'a mandaté. Amen. Voilà. Et il dit, il continue, il dit, si c'est le service en servant, le service de demain, le service, vous avez des gens dans le corps qui sont plus dans le service des gens comme Tabita, qui faisait beaucoup des choses, beaucoup de vêtements pour les saints. Vous avez des chrétiens comme ça, qui facilement peuvent pardon, faire à manger pour les autres, peuvent, n'est-ce pas, euh, offrir des vêtements facilement. Ils sont comme des diacres, alors que nous sommes tous appelés à, à, à être des diacres, mais il y a des gens qui sont particulièrement, spécial, hein, particulièrement appelés à ce service-là. Voilà, si c'est le service ben, en servant. Vous voyez Naturellement, ils sont comme ça. Et, et, et c'est magnifique. C'est des gens souvent que l'on peut mépriser. Mais ils, ils servent facilement. Ils sont souvent dans l'ombre. On les minimise. Et souvent, euh, c'est des gens, mes amis, que le Seigneur utilise beaucoup. Et je vous assure, ils seront plus, plus couronnés que nous autres. Et il continue il dit quoi il dit Si c'est l'enseignement en enseignant, l'enseignement ici c'est le docteur. Parce que Pierre nous dit dans hey un pierre tout le monde ne doit pas, Jacques ne doit pas se mettre à, à ne doit pas être docteur, parce que nous serons jugés sévèrement. Voyez? Donc si c'est l'enseignement en enseignant, cest chacun doit rester, hein, s'attacher à, 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 à l'appel qu'il a reçu. Donc le docteur, il ne doit pas chercher à tout prix à prophétiser. Parce qu'il va sortir de son mandat, de son appel, de son onction, de son autorité, de son champ d'action. Et il continue. Si c'est l'exhortation, en exhortant l'exhortation. Des gens qui encouragent par les, la parole qu'ils peuvent apporter, par des versets qu'ils peuvent donner aux autres, ça les fortifie facilement. Ils ont cet appel-là pour remonter les autres, booster les autres facilement. Mais il faut rester dans ça. Il continue. Il dit que celui qui donne le fasse dans la simplicité. Il y a des gens qui... Tout le monde est appelé à donner. Ça, c'est clair. C'est la base, mais il y a des gens particulièrement, ils ont ça, ils donnent facilement, facilement. Quand ils ont, même quand ils ont peu, ils partagent. C'est le, le, leur appel, c'est leur mandat. Ils ont un bout de pain, ils partagent. Ils ont un petit de vêtements, ils partagent. Des chaussures, ils partagent. Ils ont quelque chose, ils partagent. C'est l'appel qu'ils ont reçu. Parfois, ils savent, ils ne, ils ne savent même pas que c'est un appel. Eux, ils sont appelés à faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les autres. Et on nous demande, vous voyez, à chaque fois, Paulos parle de service et il donne des conseils. Il dit, celui qui prophétise, il doit faire ça avec la foi. En accord avec la foi. Le service, en servant. Parce que tu peux voir le don de service et ne pas vouloir servir. À cause de l'orgueil. Parce que tu envies les autres. Le docteur aussi, il doit rester dans l'enseignement. Pas vouloir aller évangéliser à gauche à droite. L'exhortation, pareil. Exhorter. Encourager. Donner. Comment? Avec simplicité. Dans la simplicité. Pas, nul besoin hein, d'aller chanter partout. Je fais ci, je fais ça. Non, 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 non. Dans la simplicité. Tu donnes sans que les gens ne soient au courant. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Simplement. Wow! Que celui qui dirige avec zèle, le fasse avec zèle. Donc, diriger. Oui, il y a des gens qui ont cette grâce-là, qui sont appelés à diriger, à diriger par, 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 pardon, à diriger. Et l'apôtre Paul dit effectivement qu'il faut avoir de la considération pour ceux qui dirigent, hein, qui vous dirigent dans le Seigneur, dans Thessaloniciens. Oui, il y a des gens qui ont cette grâce-là. Naturellement. Ils dirigent facilement, mais ils ne vont pas diriger les gens à vie, bien évidemment. Ils ne sont pas des pasteurs. Souvent, c'est des apôtres, des prophètes, des docteurs. Mais parfois, il y en a qui ont le don de service et qui vont diriger aussi des gens qui sont euh, avec qui ils travaillent simplement, mais en accord avec la parole, avec l'esprit. Attention, parce qu'ils sont eux-mêmes dirigés par l'esprit. Voyez, Diriger, dirigeant. Souvent, on les nomme responsables, alors que tous les chrétiens sont responsables. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner, prendre soin de l'église des Yeshua Vous voyez, non? Paul le dit. Donc, souvent, les dirigeants, là, les anciens qui travaillent en équipe avec les frères et sœurs, les apôtres, les prophètes, tout ça. Voilà. Mais ils ont ce don-là aussi. Et il continue, il dit quoi? Celui qui exerce la miséricorde doit le faire avec joie. Ah! Qui exerce la miséricorde? L'exercice de la miséricorde. Vous avez des gens, facilement, ils vous disent Ouais, j'ai à cœur d'aider les, les, les orphelins, les pauvres, les handicapés. Ils ont cette compassion-là, cette miséricorde-là. D'aller vers les, les, les nécessiteux, les pauvres, les malades, des gens qui sont parfois répugnants, repoussants. Mais ces frères et sœurs, ils ont ce cœur-là pour leur venir naître, alors que nous sommes tous appelés à le faire. Mais eux, c'est une particularité qu'ils ont du Seigneur, qu'ils ont reçue. Vous voyez J'en parlais hier euh, d'un frère, Luciane, qui a ce, justement euh, le, ce, 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 cette mission-là. Et euh, des frères des soeurs comme Priscilla qui est là et d'autres ont cette, cette grâce-là. Vous avez vu le nombre de frères et soeurs que le Seigneur a suscité pour s'occuper des pauvres eh bien, souvent c'est des gens qui ont reçu les vrais hein, appelés ont reçu hein, ce, cet appel là l'exercice de la miséricorde et ils ont aussi le don de service ils servent vous voyez donc vous voyez qu'il y a plus il y a plus de services hein, que le Seigneur a établi dans l'église il y en a tellement que beaucoup se focalisent seulement sur être pasteur être prophète, être docteur. Allons voir. Et. Euh, et euh, allons voir. Donc, celui qui exerce la miséricorde doit le faire avec joie. Ben bah oui, avec joie. La joie, fruit de l'esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens 12, verset 28. Regardez bien. Et Elorim a en effet placé. Dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue. Vous avez vu ici, il a placé premièrement les apôtres. Cela ne veut pas dire que les apôtres sont plus grands, plus importants, c'est faux. C'est juste par souci de l'ordre, pour de l'ordre. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand une Église est implantée quelque part, le Seigneur envoie tout de suite l'onction. Hein, des, des fonctions apostoliques. Parce qu'ils posent la fondation. Ils viennent et ils enseignent. Ils posent la fondation ou le fondement. Il y en a qu'un et Ephésiens 2,20 nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire le fondement que les apôtres ont posé, c'est-à-dire Yeshua, Machia. Et Paul dit, Paul dit dans 1 Corinthiens 3,11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yéhoshua, Machia. Donc voilà pourquoi ils viennent premièrement. Pour poser la fondation. Enseigner. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui ici et là Oui, mais ils ne sont pas en train de dire aux gens, appelez-nous appelez apôtres. Non, pas du tout. On le voit par les œuvres, par les fruits. Ils posent la fondation. Ils disent aux frères et sœurs, ne venez pas vers nous. Ne cherchez pas à nous voir, nous. Allez vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Ils sont souvent en retrait. Ils disent Allez vers le Seigneur. S'ils voient des frères et sœurs qui cherchent à les aller à, 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 à s'attacher à eux, ils disparaissent. Et Paulos, le Seigneur le mettait souvent en prison. Voilà. Il ramène les gens, ils poussent les gens à aller vers les Écritures. Donc, une fois que les nouveaux convertis ont ce fondement-là au choix, ce fondement, ben ils peuvent maintenant, n'est-ce pas, s'édifier aussi avec les uns les autres, avec d'autres frères et sœurs. Mais ils ont d'abord besoin de ce fondement-là. Maintenant, s'il n'y a pas d'apôtre physique, qu'est-ce qu'il faut faire? il ne faut pas aller en chercher. Non. Vous avez la parole déjà qui est là. Lisez la parole que les apôtres et les prophètes ont reçue. Et vous allez avoir le fondement. On a déjà les écritures. Alléluia. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire, qu'il faut chercher les apôtres. Non, ce n'est pas ça le message. Simplement, le Seigneur, par souci de, de, par respect, de sa parole, et, bien, et aussi parce qu'il veut que nous soyons bien fondés bien, il a d'abord établi la l'onction la, la, la fonction apostolique voilà et pourquoi parce que les apôtres la fonction apostolique consiste dans euh, comment dire ou je dirais les apôtres sont comme des pères et euh, ils ont une vision globale du corps ils voient le corps. Et même si tous les chrétiens ne sont pas apôtres, mais tous les chrétiens sont appelés à être apostoliques, c'est-à-dire avoir la vision du corps, pour ne pas être sectaires. C'est-à-dire, il y a d'autres chrétiens, d'autres disciples de Yahushua qui ne sont pas forcément, qui ne font pas partie de votre assemblée locale, mais il faut aussi les considérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas être sectaire. Même s'ils ne prient pas avec vous, mais ils sont enfants de il faut les encourager si vous les croisez. Et ne cherchez pas à les intégrer dans votre groupe à vous. Non. Donc, c'est la vision globale. La vision du corps. Voilà. Vous comprenez un peu? Et les prophètes, ensuite, deuxièmement les prophètes, pourquoi les prophètes Mais ben les prophètes, qu'est-ce qu'ils ne viennent pas dire, oh, Elohim m'a dit, Elohim a dit, ainsi dit Elohim. Non, ils ne disent plus ça, c'est fini ça. La parole est déjà là. Les prophètes, ils vont aussi enseigner. Ils vont aussi apporter l'enseignement prophétique. Ils vont montrer aux frères et sœurs. Voilà, la parole est une parole prophétique. Voilà. Parce que le témoignage de Yeshua. Et l'esprit de la prophétie. Alléluia. L'esprit de la prophétie est le témoignage de Yehoshua. Donc, les prophètes, Ils enseignent aussi. Voilà. Ils enseignent qui. Bah, ben, Yehoshua. Ils posent aussi le fondement. Voilà. Et 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 Polos continue. Dit ensuite les docteurs. Pareil. Les docteurs ils enseignent aussi. Voyez. Vous voyez que la, 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 dans les assemblées doit y avoir l'enseignement. C'est capital. Et l'apôtre continue, il dit et ensuite il y a des gens qui, se, qui, qui travaillent dans le secours, qui, se, qui vont secourir les autres. Mais comme, comme ceux qui servent hein, et ceux qui ont le don de, 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 de miséricorde, par exemple. Ils sont là pour secourir les autres. Voilà. C'est important. Et de, 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 de guérir, guérison. Gouverner, gouverner, on a vu un diriger gouverner, voilà. Et d'autres qui parlent plusieurs langues. Tous sont-ils apôtres Non Voilà pourquoi je vous disais que nous sommes tous enfants du Seigneur, mais nous ne sommes pas tous pareils. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas pasteurs. Et dans Ephésiens 4, J'espère que vous vous apprenez des choses. Éphésiens 4, regardez bien. Maintenant, on va voir le but pour lequel le Seigneur a établi les, les prophètes, les apôtres, tout ça, les docteurs. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. Regardez dans Éphésiens 4, nous lisons à partir du verset Nous allons lire le verset 11. Et lui-même le le le, le 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 grec Là, on l'a traduit comme, comme vous le savez, vraiment littéralement les choses ici. Et lui-même, pas quelqu'un d'autre, pas un bishop américain qui est venu vous ordonner, vous faire la sainte ordination. Et lui-même, Yahushua, a donné en effet les apôtres. Donc, le verbe ici, c'est vraiment donné. Donc, les apôtres sont des dons, des dons que Yahushua a donné aux chrétiens. Alléluia. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, je, le dirai, je ne dis pas que vous ne voulez pas des dons, mais restons dans ce que la parole dit ici. Amen. Nous sommes les dons les uns pour les autres, nous sommes d'accord. Mais là, là, on nous dit qu'il lui-même a donné les apôtres. Ben oui. C'est-à-dire, ils sont prédestinés à être semblables à Yeshua et ils sont donnés aux frères et sœurs. Waouh. Et on dit c'est lui-même Yeshua, pas un bishop. Donc n'allez pas chercher un Américain, un Africain, un Français, un Européen, un Asiatique pour qu'il vous fasse la sainte ordination avec soutane, avec de l'huile. C'est faux. Ça c'est la sorcellerie. On peut vous faire ça, mais c'est pas pour autant que vous aurez le mandat. Mm -hmm. Vous comprenez? Et lui-même a donné les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et docteurs, pour quelles raisons Pour l'équipement des saints. Ah, premièrement, pour l'équipement de des saints. Voilà ce que la parole nous dit. Donc un vrai apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tout ça, berger, est un, c est un don pour toi. Et son but, c'est pour t'équiper toi. Et, 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 et malheureusement, la plupart, ils vous dépouillent. Vous entrez dans cette assemblée riche, vous en sortez, dépouillé, vidé. Quelqu'un qui est allé pour vous équiper, il vous demande encore de l'argent pour vous enseigner. Mentalité, fonctionnement antichrist. Oh, formation biblique, il faut payer. Sorcellerie. Vous allez dire, mais il est méchant ce monsieur. Comment il peut parler comme ça Il est cru. Oh, oui, c'est comme ça. Sorcellerie. Doctrine des démons, donc c'est la sorcellerie. Regardez la plupart des églises. Des gens sont là-dedans depuis des années. Ils ne savent même pas qui ils sont. Pourquoi Parce qu'au lieu que les pasteurs les équipent pour qu'ils aillent ailleurs servir le Seigneur, ils le maintiennent dans l'ignorance pour mieux les contrôler. Donc ils ne sont pas équipés. Pourquoi les équiper Mais parce qu'il y, y a des gens qui ont le don de prophétie, il faut qu'ils soient équipés. Il y a des gens qui ont le service, il faut qu'ils soient équipés. Il y a des docteurs, il y a des, des gens qui ont le don d'exhortation, de, de, il faut qu'ils soient équipés. Tous les enseignements que vous recevez depuis toutes ces années, pourquoi faire Pour rester assis ici Non. Bougez. Ce n'est pas pour encore venir me voir à la fin, frère, j'ai un petit bobo. J'ai un petit... Non, non. Je... De toute façon, vous me connaissez, non À chaque fois que je dis mais ton petit bobo, là, tu penses que moi, j'ai pas de bobo Va, faire... Va servir le Seigneur. <laughs> On n'est pas des marabouts. Hmm Consultation prophétique. Non Ça n'existe pas dans notre royaume. <laughs> Premièrement, pour l'équipement des saints. Voilà ce que la parole nous dit. Nous parlons de, du mandat lié à l'appel, non Bah ben oui, le mandat. Les apôtres ont reçu le mandat pour vous équiper. Vous comprenez ça Bah ben oui, ça c'est aussi, c'est le mandat qu'on a reçu. Même si l'ennemi ne veut pas que l'on vous équipe, vous serez équipé. C'est comme ça. Deuxièmement. Ils ont été établis pourquoi donner pourquoi? Pour, pour, pour l'œuvre du service. En fait, les saints sont équipés pourquoi Pour, pour l'œuvre du Ben oui, parce que nous sommes tous appelés à l'œuvre. Pour servir. Ben oui. Ça veut dire que tu es là, tu es serviteur des l'orim. Tu te rends compte? Mon frère, ma sœur, servante de l'orim. Marquée sous ton front. Quand tu prends le bus, les sorciers qui sont dedans lisent sous ton front ils voient, ah, celle-là, là. ils se disent, hein? servante du maître, de maître. Toi, tu ne vois pas ça. Et quand le maître te dit, lève-toi, annonce ma parole, il ne faut pas voir, oh non, je suis timide, non Lève-toi, prêche. Parce que tu es équipé, non ben Alors Oh Dieu, frère, je suis là, la vidéo m'a fait du bien, bah ben, oui, tu fait du bien, c'est pourquoi faire. « Ah, ça m'a fait du bien, c'est bon, je -ce t'arrête, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. » Et ensuite, au numéro Ça m'a fait du bien et, et j'ai été dehors pour aller faire le service. » Alléluia !« Ça m'a fait du bien, je suis allé voir les Roms pour apporter les vêtements. » Ah, c'est ça le message !« Ça m'a fait du bien, je voulais épouser une païenne, mais maintenant j'ai compris. Ça voilà » Voilà Maintenant j'attends. <laughs> Ça m'a fait du bien! Oh, Seigneur! Et aujourd'hui, quand on dit serviteur de l'Orim, tout de suite, c'est les pasteurs. On dit, levez-vous, nous allons accueillir les serviteurs du Seigneur. Et toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu accompagnes les serviteurs? Faut leur dire, non, moi aussi, je, je sers le grand roi. Alléluia! Donc, parce que tu es appelé au service, tu ne dois pas rester ainsi, la vie. Voilà. Merci, Seigneur. Autre chose. Pour la construction du corps du machia. Donc, ils sont donnés pour construire le corps du machia. Pas un bâtiment. Ils ont, ils ont mal compris l'appel. Aujourd'hui, ils font des appels pour construire les bâtiments. Oh, Seigneur, sauve-nous. Alors que c'est vous qui doit, qui, qui, c'est vous qui devrez être construit. Vous en rendez compte? Donc, équipés c'est équipé pour le service. C'est équipé en construisant. Bah ben oui, en bâtissant. On continue jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Lohim. Leur but, c'est vous enseigner et au choix. Pour qu'on atteigne tous l'unité de la foi et la connaissance de Yehoshua. Donc leur message doit être basé non sur l'argent, non sur le matériel, non sur la prospérité financière. Ça c'est une doctrine démoniaque, mais sur la foi à Yehoshua, Mashiach. Tu comprends C'est celui la finalité. À l'état d'homme parfait, parce que le Seigneur veut que nous soyons, que nous devenions parfaits. Ah ben les enseignements ont pour but, de, pour, pour, pour but de nous amener à la perfection. Voilà. L'homme parfait, c'est l'homme accompli, l'homme adulte, l'âge mûr, la maturité à Yoshua. Comme des fruits qui atteignent la maturité. Des gens qui n'ont plus besoin qu'on leur dise qui ils sont qui n'ont plus besoin de leur dire, quand vous avez un petit bobo, « Cherchez un pasteur !» ils, pas, ils ne veulent pas de ça. Plutôt, je dirais qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, « ben, Écoutez, vous pouvez témoigner du Seigneur partout, vous pouvez parler, vous pouvez faire ci. » Non Parce que ils sont matures, parce qu'ils ont compris qui ils sont, parce qu'ils comprennent qui ils sont. Quand ils ont des problèmes, est-ce qu'ils peuvent en parler aux uns aux autres Bien sûr, pour demander la prière. Mais ils ne sont pas focalisés sur les hommes. Vous comprenez Amen à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Waouh. La stature parfaite. On revient encore à la même chose hein? La finalité pour toi et moi, c'est quoi Prédestiné on, on nous sommes prédestinés à être conformes à Yeshua. Donc Paul ne fait que confirmer ce que ici, ce qu'il a dit dans Romains chapitre 8. Donc, il a établi le Seigneur ces cinq, ces, ces services là pour que les chrétiens, pour que les disciples de Yeshua lui ressemblent en écoutant les enseignements, la, 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 la parole. C'est aussi, aussi simple que ça. Voilà. Yeshua était simple, mais ben, les enseignements donnés par les vrais prophètes, les vrais apôtres, doivent nous amener à la simplicité. Voilà. afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Bah oui, pour le plus que tu sois emporté, c'est parce que tu es enraciné dans le Seigneur. Une doctrine nouvelle qui arrive, tu n'es pas, pas en panique? Non. On insulte un frère, c'est normal, c'est biblique. On traite quelqu'un de sorcier, c'est écrit, non? Yahushua a été traité de sataniste, alors. Et ses serviteurs, alors. Si on a fait ça, fait ça au bois vert, et, et que, que ferait-il hein, au bois sec C'est écrit. Mais alors, où est le problème Donc, on n'est plus perturbé. Ah frère, tu sais comment on t'insulte Mais alors, c'est écrit, non Mais alors, où est le problème Lis la parole. La parole s'accomplit. Voilà. Ils ne sont plus perturbés. Ah non, mais bon, j'ai oh, eu un petit doute quand même, hein, tout ça. Ah bon, tu es encore à ce niveau-là là Balloté à tout vent. Nouvelle doctrine qui a, oh, il, il, il rentre dedans. Nouvelle doctrine, aïe, aïe. non, mais quand même, quand même, quand même. On ferme la salle, ah, l'église a fermé. Alors, faut que je cherche une église. Non, on ne cherchait pas une église. On est dans le royaume. Alléluia. Le Seigneur a dit chercher premièrement le royaume et ça, le royaume de l'Orim et sa justice. Il n'a pas dit chercher une église. Tu, si tu cherches une église, tu seras fatigué. Tu vas toujours tomber sur des églises bizarres. Et même, même, même nous, hein, on, est, on a des défauts. Cherche le Royaume, c'est tout. Ok, de ben, tout des doctrines. Et ensuite, on nous dit quoi Par la tromperie des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement, par la tromperie des humains. Vous connaissez ce qui se passe, vous savez ce que c'est, comment on arrive à séduire les gens, mais en professant la vérité de l'amour. Nous grandirons en toutes choses en celui qui est là, la tête le machia. Waouh, waouh, on revient encore à la même chose, il est au la finalité. Vous vous rendez compte Maintenant le mandat qu'on a reçu, chacun a reçu un mandat, chacun de nous, on a reçu l'appel. Vous avez vu les différents services, apôtres, prophètes, exhortations, tout ça. Tous ces services-là, tous ces serviteurs, ces servantes ont reçu le mandat. Quand ils ont reçu l'appel. Tous ont reçu le mandat. Vous vous rappelez Paul Paulos, il dit dans 1 Timothée 1, on l'a vu, hein? Paul, apôtre, selon le mandat d'Elorim. N'est-ce pas? Et non selon le mandat des hommes. Paulos, apôtre Yehoshua Mashiach, selon le mandat d'Elorim, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, notre espérance selon le mandat. Le mandat, l'ordre, le pouvoir, l'injonction. C'est-à-dire, tu reçois l'appel et le Seigneur te dit, ton appel, je t'appelle d'abord au salut et ensuite tu te dis, je t'appelle cette fois-ci à être apôtre, à être dans le service de la miséricorde, à aider les orphelins. Et il te donne le mandat pour ça. C'est-à-dire, une injonction, un ordre, une ordonnance. Tu es ordonné à faire un travail pour lui parce que tu as été créé pour cela. Pourquoi il le fait Parce qu'il sait que tu auras de l'opposition. Il faudrait que le monde spirituel démoniaque reconnaisse ton mandat. Vous comprenez un peu Voilà. C'est important de le souligner. Tite deux quinze D'abord titre un trois. « Seigneur, sauve-nous Seigneur, sauve-nous » Qui peut nous lire cela 1.3, on va te passer le micro. « Mais qu'il a manifesté en son propre temps par sa parole dans la prédication qu'il m'a confiée. » Selon le mandat d'Elohim notre Sauveur. Par la prédication qu'il m'a confiée selon le mandat. mandat. Wow. D'Elohim notre Seigneur. Paul reconnaît, il dit encore ici que la prédication lui a été confiée selon le mandat d'Elohim. Ça veut dire que même si les gens s'opposent à lui, s'opposaient à lui, mais sa prédication était, n'est-ce pas, la, 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 le résultat du mandat qu'il avait reçu. Et parce qu'il avait reçu ce mandat-là, ce mandat, eh bien, des gens appelés par le Seigneur à le servir ne pouvaient que se convertir. Donc, quand il y a le mandat, il y a les fruits. Voilà. Donc, si tu fais quelque chose pour le Seigneur, il n'y a, a pas les fruits, arrête. C'est que tu n'as pas le mandat pour ça. N'aie pas honte. Ne sois pas orgueilleux. Arrête. Et le courage de dire non, il n'y a pas les fruits, j'arrête. Ferme boutique ne va pas chercher les voies et moyens pour... On n'aide pas le Seigneur. Il n'a pas besoin d'aide. Alléluia. C'est important de le souligner. Romains chapitre, chapitre 16, verset 26. La sœur va pouvoir préciser, nous, nous lire cela rapidement. Verset 26. Mmh mais manifesté maintenant à travers les écritures prophétiques, selon le mandat d'Élohim éternel, qu'il a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi. Et encore ici, il parle du mandat. Vous voyez, non Et dans Corinthiens là-bas, dans 1 Corinthiens, Paul dit par rapport aux vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur à vous donner. C'est le mandat toujours. Et il a reconnu ici, dans 1 Corinthiens 7, qu'il n'avait pas reçu de mandat pour parler de vierges. Donc, il a respecté les limites que le Seigneur lui avait imposées. Ben oui, on n'a pas le mandat sur tout. Pour tout. Il y a des limites, nous sommes limités. Là où ton mandat se limite, il y a quelqu'un d'autre. Hein, le mandat de quelqu'un d'autre commence. Il le dit dans 2 Corinthiens 12. Il dit, nous n'allons pas au-delà des limites que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, fixées, imposées. C'est important de le souligner. Par rapport au mandat, regardez ce que Paul, Paul dit dans Acte chapitre. On va finir avec ça. Acte 19. Un passage que vous connaissez tous. Acte chapitre 19. Regardez bien. Nous lisons à partir du verset 13. Mais quelques-uns quelques d'entre les Juifs. Exorciste ambulant, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yéoshua sur ceux qui étaient possédés d'esprit mauvais, en disant, nous vous conjurons par ce Yéoshua que Paul, que Paulos prêche. Or, ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Seva, un juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je connais Yéoshua et je sais qui est mais vous, qui êtes vous Et l'homme en qui était l'esprit mauvais se, jetait, se jeta, pardon, sur eux, se jetant, euh, voilà. Donc le verset 16 pardon. Et l'homme en qui était l'esprit mauvais euh, se jetant, donc le verbe au présent, donc j'ai mis au présent tout à l'heure, se jetant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nu et blessés. Il y a des gens qui se blessent facilement parce qu'ils n'ont pas le mandat. <laughs> Marine rigole. Ah oh non, je suis blessé. Ah oh non, non, j'en peux plus. Tu es traumatisé, tu es complètement par terre. Mais qui t'a donné ce mandat-là C'est normal que les sociétés tombent sur toi comme ça. Ils se jettent sur toi comme ça. C'est normal. La nuit, tu dors, tu dors plus. Enfin, je en prie pour moi. Moi, je dors la nuit, frère. Parce qu'il y a le mandat. Toi, c'est l'association de sorciers qui vient t'embêter toutes les nuits parce que tu les déranges alors que tu n'as même pas le mandat. Et ils se posent la question chaque fois, ils te posent la question, mais qui es-tu? Attends attends, 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 les gens que le Seigneur connaît d'avance, les démons le connaissent aussi. Vous vous rendez compte? Bah ben oui, il faut le savoir. Les démons ont dit quoi? Ils ont dit, nous connaissons Yahushua et nous savons qui est Paulos. Alors, c'est deux verbes, dans le grec, deux verbes différents. Le premier, Ginesco, c'est connaître. C'est un, un verbe que les Juifs utilisent aussi pour parler de relations intimes. Le deuxième verbe signifie littéralement jeter son regard sur. Fixer ses pensées sur. Fixer ses pensées sur quelqu'un. C'est-à-dire... Les démons, leur regard était constamment sur Paulos. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce que les démons ont dit littéralement. C'est-à-dire ceux qui ont le mandat, le monde démoniaque spirituel, a le regard constamment sur eux. Ça veut dire que partout où tu es, les démons te surveillent. Parce que tu es dangereux. Le mandat que tu as reçu fait de toi un homme et une femme terrible pour leurs affaires. Voilà pourquoi tu es persécuté en permanence. Voilà l'origine de tes combats, de la haine que tu subis, de la persécution. Et les démons se communiquent entre eux. Quand tu changes de ville, tu voyages, ils se disent il va arriver chez vous là-bas, préparez-vous. Il y a quelque chose qui se passe. Ha, ha. Le mandat. Aïe, 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 aïe j'arrive même plus à parler. Là. Le mandat. Hey il se passe des choses. Vous voyez, l'atmosphère change. Voyez ça? Ouf! 1 Pierre 3, 12 nous dit: Les yeux d'Adonai, les yeux de lorim sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. De comme les yeux d'Adonai sont sur toi, parce qu'il t'a connu d'avance, parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a prédestiné, ben, automatiquement de ce mandat que tu as reçu de l'onction que tu as reçu l'autorité que tu as reçu les sorciers ne dorment plus tranquillement les sorciers de ta famille sont constamment dérangés les sorciers de ton quartier sont constamment dérangés les satanistes s'unissent contre toi Hérode et pilate deviennent des amis contre toi! Ils t'attaquent la nuit, ils viennent t'agresser comme pas possible, ils te font la guerre. Et Adonai dit quoi Je dresse une table devant toi, Et je hoindsuis tes... ah, ta tête. Oh, Alléluia Il dresse une table en face de tes ennemis et il d'huile ta tête et ta coupe déborde à cause du mandat. Des ennemis sont nombreux à cause du mandat des langues sous ce, 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 délit contre toi à cause du mandat. Mais n'aie pas peur. C'est le mandat qui provoque cela. Tu ne mourras pas tant que tu marcheras avec le Seigneur. Tu ne mourras pas. Je déclare cela. Aïe, 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 il se passe des choses ici, là. Il se passe des choses ici. Avec le mandat apostolique que Seigneur m'a donné, je dis tu ne mourras pas. Je dis ce soir, avec le mandat apostolique, nous pouvons fermer des choses. Il a dit ce que nous fermerons sur la terre. Là-haut, c'est fermé. Nous pouvons fermer des choses. Oh, Alléluia Oh, les démons se sont jetés sur eux parce qu'ils n'avaient aucun mandat. Pourtant, ils utilisaient le nom de Yahushua. Tu peux utiliser le nom de Yahushua mais si tu n'as pas de mandat, ce nom ne fera rien. Mais ceux qui ont le mandat, ceux qui sont connus d'avance, ceux qui sont prédestinés à ressembler à Yahushua et ceux qui ont reçu l'appel d'Adonai, le Père Céleste, quand ils prononcent le nom de Yahushua dans leur maison, les choses terribles se passent. Comme ce soir là parce que le mandat l'onction apostolique ressuscite vos appels ressuscite vos ministères oh 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 yeah, ya yeah, 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 yeah. le mandat prophétique je prie pour vos familles je prie pour vos familles que les femmes stériles, que leur matrice souffre au nom de Oshua, Le mandat. Ah oui, le mandat. Le mandat polos. Et cela s'arrive en Asie. Et les gens disent, les hommes qui ont secoué le monde sont arrivés jusqu'ici. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, juste à présence quelque part, parce que tu es mandaté par le Ciel, par Adonai, juste à présence, chamboule les choses. À cause du mandat, le Seigneur dira à Paulos, alors qu'il était enchaîné dans ce bateau allant à, à Rome, il lui dira :« Je te confie tous ceux qui sont dans ce navire-là. » tous ceux qui sont sur ce navire je te le confie. Il les alors qu'ils étaient libres, beaucoup étaient libres des soldats, même le même le pilote. Et le Seigneur dit je te les confie à toi. Lui il était enchaîné. On peut t'enchaîner physiquement. Mais spirituellement, tu n'es pas enchaîné. On peut te minimiser physiquement, mais spirituellement le Seigneur t'a établi. Tu as le mandat royal parce que nous sommes des rois établis par le Seigneur. Alléluia. Et les satanistes le savent. Voilà pourquoi tes enfants ne vont pas mourir par la sorcellerie. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es une femme, c'est vrai. Tu es jeune, c'est vrai. Peu importe ton âge, peu importe ta sexe, ton sexe. Peu importe ton sexe. Tu as le mandat du Seigneur. Jeune homme, jeune femme. Ce n'est pas une question de sexe, d'âge. C'est une question de mandat. C'est le mandat qui fait la différence. Et le mandat te différencie des autres. Ah oui. Tu as l'épée, tu as le bâton de commandement, tu as le feu dans ta bouche. Même le diable sait que tu déranges ses affaires dans ta famille, mais il ne peut pas te toucher parce que tu as le mandat. Parce que tu as été appelé selon le dessein du Seigneur. Et son plan n'est pas encore terminé, n'est pas encore accompli. Donc tu ne mourras pas tant que l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a appelé n'est pas achevée. Tu ne mourras pas Ils peuvent faire des réunions, ils peuvent prophétiser contre toi. Amen. Tu sortiras indemne. Et quand la mission sera achevée et le Seigneur, le Père Céleste se dira, maintenant tu peux rentrer à la maison. Oh, Alléluia. Le mandat. Tu as reçu l'appel, tu as le mandat. L'injonction. Et les démons le voient, ils le sentent, ils le voient. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner, je ne sais pas combien de temps. Même quand tu dors, le mandat est là. Les choses se passent. Oh, alléluia. Et à cause du mandat, les gens vont dire, tu es sorcier. Je veux dire à quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur, tu es différent des autres. Tu es différent, mon fils. Tu es différent mon enfant. Tu es différent mon serviteur. Tu es différent mon fils. Toi que j'ai élu. Toi que j'ai choisi. Toi que j'ai mis à part. Et ce soir, tu reçois la confirmation de l'appel que j'ai mis sur toi. Va et annonce mon retour. Va et annonce ma parole. Va et prêche l'évangile. Va et crie partout que je reviens. Va et annonce la paix. Va et annonce. On ne détruit pas le mandat du Seigneur. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le mandat, c'est la parole qui est sortie sur toi. Tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça pour moi. Oh, Alléluia. Pour finir, quand un président donne un mandat à quelqu'un, la personne a carte blanche. La personne est accompagnée, escortée des militaires, des policiers. Tu vois ce que je veux dire Et toi, avec le mandat, là, tu es accompagné. Il y a des anges guerriers. Tu ne le vois pas, mais ils sont là. Oh, alléluia. Ils sont à ton service. Oh, alléluia. Il y a des anges partout. Ils te précèdent. Donc, fais confiance au Seigneur. Aie confiance. Fais-lui confiance. L'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Tu pleures, tu souffres, mais l'œuvre sera accomplie. Amen. Tu ne mourras pas comme ça. Amen. Oh Alléluia. Oh alléluia. Tu t'es marié pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et ça va se faire. Amen. Le mandat. Et ceux qui l'ont appelé, ceux qui sont appelés, il les a justifiés. Il va te justifier. Je parle à quelqu'un ici là. Oh, ah oui. Ah oh, oui. Ah oui, ça c'est la puissance du Seigneur. Le Seigneur parle et sa parole s'accomplit. Ça c'est magnifique. Waouh! Et non seulement qu'il nous justifie, mais il nous glorifie aussi. Ah oui! C'est-à-dire, il te sort de la bassesse. Il, il t'élève. Il te fait monter. Tes ennemis restent en bas et toi, tu montes. Alors, fais-lui confiance. Garde. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. L'ennemi a échoué. Il a échoué. Il a échoué. La mort a frappé ta famille, mais la mort ne pourra pas détruire l'appel que tu as reçu. Oh, Alléluia tu ressors d'ici ce soir fortifié, requinqué, boosté, fortifié, encouragé. Alléluia. Alléluia. Avec les vitamines spirituelles pour aller servir le Seigneur de gloire. Alléluia. Jeune femme. Wow. Ça, c'est la puissance de la parole du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur, ma fille, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Je t'ai appelé par ton nom. Et tu accompliras mon œuvre. Quel que soit ton âge, tu accompliras mon œuvre. Tu n'es pas encore morte, morte. Et mon œuvre se fera. Ah oui. Nourris les veuves. Nourris les orphelins. Nourris-les. Les moyens seront là. Je t'accompagnerai. Tant que tu seras dans l'obéissance, je t'accompagnerai. Je toucherai tes parents comme tu me l'as demandé. Je toucherai ton père comme tu me l'as demandé. Mon fils, j'agirai dans ta famille. Oh, Alléluia. Ce soir, des chaînes se brisent dans nos familles, dans nos foyers. Des chaînes se brisent. Au nom de Yeshua, des chaînes se brisent. se brisent. Se brisent. Se brisent. Tu pries pour ta soeur, quelqu'un ici. Le Seigneur va toucher son cœur. Tu pries pour ton frère. Le Seigneur va toucher son âme. Tu pries pour ton père, ta mère. Le Seigneur va toucher son âme. Oh, alléluia. Toi, sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Hallelujah, 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 hallelujah. On t'a minimisé, on t'a blessé, on t'a rejeté. Mais tu es debout parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai mis à part. Hallelujah, 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 hallelujah. La guérison divine, je te l'accorde. Pouvoir me servir. Alléluia, la santé, le Seigneur te la donne. Oh Père très saint, merci, merci. Tes nuits seront paisibles. Le Seigneur te dit, ma fille, tu vas pouvoir dormir normalement à partir de ce soir-là. Je te donne le repos. 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 Ça, c'est la puissance de la résurrection. Oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Le réveil, le réveil. La foi que tu as eue quand tu t'es converti, le zèle que tu as eu quand tu t'es converti. Alléluia. Priez le Seigneur. Il ne faut pas me regarder. Priez le Seigneur, mes amis là. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Quand sa présence est là, on en profite pour l'adorer, pour lui dire merci, lui dire merci. Alléluia. Les embûches devant toi sont enlevées, sont brisées. Les pièges sont brisés. L'ennemi veut te retarder dans ton appel. Le Seigneur brise ces paroles de condamnation. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Magnifique Seigneur. Père, merci. Est-ce qu'on peut l'adorer, frères et sœurs? Prions tous ensemble le Seigneur de gloire. Magnifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Oh, Père, merci. Alléluia. Il va donner un sens à ta vie de plus en plus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu ne vas pas chômer dans son royaume. Il y a des choses à faire dehors, dans la rue, partout. Il y a des choses à faire aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Il y a des choses à faire en Haïti, en Afrique, en Asie, partout, en Amérique, partout. Les choses à faire, il revient, il revient. Cette pensée que tu as reçue, ce songe que tu as reçu. Mais ça fait partie de, du mandat du Seigneur. Tu t'es vu en train de prier pour les malades, de chasser les démons, d'aller dans, dans les hôpitaux prier pour les gens. Tu t'es vu en train de nourrir les pauvres, les enfants, tout ça. Chacun reçoit un appel. Et le Seigneur ne veut plus que les gens restent assis dans son royaume. Debout, soldats, debout, soldate, debout, guerrier, debout, guerrière. Debout. Debout. Debout, mes enfants. Debout. Va témoigner. Alléluia. Alléluia. Il t'a établi dans ton travail. Tu vas témoigner sa gloire, sa grandeur. Tu vas prophétiser sa grandeur. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Tu as reçu l'épée de l'Esprit. Tu as reçu, Alléluia, l'armure du combattant. Tu es mon soldat. Tu vas combattre le bon combat de la foi. Car ta couronne t'attend. La couronne t'attend, mon enfant. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, merci, merci. Ils te feront la guerre. Ils dressent une table devant toi, en face de tes adversaires. Et loin d'huile ta tête et ta coupe va déborder. Alléluia, ce que tu subis dans ta famille, ça fait partie de ta formation. Il permet à ce que les proches te fassent du mal pour te façonner, te former. Tu auras le caractère de guerrier, de guerrier, de guerrier, de guerrier, de guerrière. La guerrière du Seigneur, le guerrier du Seigneur, Alléluia. Magnifique Seigneur de gloire, de louange. Alléluia. Magnifique Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour ta force, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Il t'a mis à part, il t'isole, il t'impose la solitude. Alléluia, pour te façonner. Ce n'est pas pour te tuer, mais pour te façonner, pour que tu sois préparé, 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 car le mandat du Seigneur est là. Alléluia, magnifique Père. Nous voulons vraiment te bénir pour le mandat que nous avons reçu. Et nous voulons simplement te servir. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Au nom de Yeshua, Alléluia. Magnifique, Seigneur. Ouf. Voilà. Voilà, fini. Soyez encouragés. Voilà, frères et sœurs, bonne continuation et. Le Seigneur soit béni, merci. Merci. Ouf. feu, Ouais. Euh, j'étais à l'extérieur de la salle. En fait, j'étais là, et je suis sorti, puis je suis revenu, et j'étais triste, en fait. Et mais je suis venu quand même, j'ai dit, il faut que j'y aille. Et je suis venu, et tu remettais... En fait, c'est comme s'il si y avait des groupes de femmes Ils venaient. Chacune avait, euh, avait sa feuille. Après, c'était les groupes d'hommes. Après, c'était les groupes. Et je me suis retrouvé, en fait, sur une, comme on, une table, un grand bouquet. Et j'ai compris que euh, sur chaque titre de feuille, il y avait une mission spécifique, en fait. Chacun avait sa, son mandat. J'ai vu d'autres, c'était pour les musulmans. D'autres, c'était pour autre chose. Et, euh, et euh, on, devait, on devait tous manger, boire de l'eau. Et euh, chacun avait pris... Euh, même à un moment, tu as dit des vitamines spirituelles, mais il y avait des, euh, des petites capsules. Comme moi, j'étais extérieur, moi j'ai pris mes capsules après. C'est comme si c'était des vitamines qu'on qu devait prendre en fait. Et euh, au début, je, je me demandais, mais c'est quoi ces contrats Et euh, j'ai eu la pensée que c'était les mandats en fait. Et que bah, c'était le Seigneur en fait qui mandait et, euh, tout le monde, chacun leur tour en fait. Waouh, magnifique Seigneur. Voilà, c'est un songe qu'il a eu ce matin. Bon wow, Seigneur, bonne continuation et à lui seul la gloire. Voilà.